c'est du, c'est quoi ça? C'est en fait la prise d'écran, c'est la fenêtre, donc ça crée un vortex. Hop là. Voilà, c'est tout. S'il y a un problème en chimio, vous me dites. Non, en fait, je suis en bas. Il est resté comme ça. Ah. Ah. C'est pas grave. Ouvrir avec. Simplement, on est dans une rotation. Le mec qui se pose, pourquoi il ne veut pas? Bien sûr, il est là. Moi, je vais simplement regarder ce que je vais présenter. Par contre, s'ils n'ont pas vu les. Ils ont eu de la chimie ou pas? On aura fait toute la chimie, enfin, en condensation en général et en condensation avec. Est-ce qu'ils ont des notions sur les groupements chimiques ou pas? Déjà, ça je peux peut-être zapper. Parce que sinon, si je commence à parler de fonction alcool, carboxylique, etc., s'ils servent quoi. Oui, non, ça, normalement c'est bon. On a assuré que ça allait. Normalement ça devrait être. Ça je peux peut-être zapper. Les différentes liaisons. Ils ont vu ça aussi, une liaison covalente, non covalente. Ouais. Peut-être les acides aminés, là. On va peut-être commencer par ça. Alors, qu'est-ce que je vais présenter là? Structure primaire, c'est important, secondaire, tertiaire. Ça, je veux parler des enzymes, la structuration. Ça, les glucides, ça, j'ai préparé des trucs. Et après, c'est les lipides. L'objet de mon intervention aujourd'hui, et je suis également co-responsable de la PACES avec Marie Vidieu. Et donc, on aura notamment l'occasion de se revoir la semaine prochaine lors de la journée de rentrée. Donc, ça doit être mardi après-midi, il me semble, si on était dans les tablettes. Donc, je serai là pour animer et présenter cette année de PACES. Initialement, mon intervention devait se focaliser sur les glucides, les enzymes et le métabolisme énergétique. Et en fait, je pensais que les tuteurs avaient fait la biochimie structurale, ce qui n'a pas été encore fait, donc c'est pas grave, donc je vais improviser. J'ai récupéré en fait les diapos d'un collègue qui l'a fait il y a 2 ans, donc je vais commencer par cette partie-là. Donc, voilà,
ça va être peut-être un petit peu décousu, je vais faire en sorte que ça le soit le moins possible. Alors l'objectif hein, de ce stage de pré-rentrée, bien évidemment, ce n'est pas de vous faire la totalité des cours. Alors pour la biochimie, il y a à peu près une vingtaine d'heures de cours. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire en deux heures, mon intervention aujourd'hui, les 20 heures de cours que vous aurez au premier semestre. Pas du tout ça, c'est de commencer à vous familiariser avec un certain nombre de termes. En fait, c'est ce qui va être le plus difficile peut-être pour vous, c'est de vous familiariser avec ces nouveaux termes. Donc, il y a beaucoup de nouveaux termes, donc il faut les assimiler bien évidemment. Donc l'objectif, c'est peut-être un petit peu ça aujourd'hui, c'est de vous faire part de cette nouvelle terminologie et de vous balayer très rapidement en fait le programme de la biochimie. Alors, pour la biochimie, vous aurez également, en plus des cours magistraux, des EDO, donc, au cours desquels on vous fait travailler bien évidemment les cours, on vous pose des questions, des QCM, des exercices, et on vous corrige également les annales qui sont tombées au cours. Donc voilà, un conseil, venez assister aux cours et surtout venez au TDI. Voilà. Alors, pour commencer, donc ça je vais rien vous apprendre, c'est on va commencer en fait à voir en biochimie structurale. Alors la biochimie, vous allez voir, c'est une, comme son nom l'indique en fait, c'est une discipline qui s'intéresse à la chimie du vivant. Hein, biochimie, c'est la chimie du vivant. C'est d'essayer de comprendre en fait toutes les réactions qui vont se dérouler au niveau des cellules. Pour comprendre comment ça marche, évidemment. Et donc, grosso modo, on distingue deux grandes branches de la biochimie structurale. Donc, la biochimie structurale, c'est quoi? On s'intéresse en fait à la structure des molécules du vivant. Et donc, parmi les grandes catégories de molécules du vivant, bah, vous connaissez, hein, vous avez les acides aminés, qui sont en fait les bases qui vont permettre de synthétiser les protéines, les peptides, les protéines. Deuxième catégorie, vous avez les glucides, avec donc les différents os que l'on va voir, on va en voir quelques-uns, et donc vous en connaissez probablement un des plus importants, qui est le glucose. Donc le glucose, c'est un sucre, c'est un os. Il y a également des polymères du glucose, qui est le glycogène, là aussi on verra ça rapidement tout à l'heure, donc le glycogène, structure du glycogène, qui est en fait une forme tout simplement de réserve du glucose que l'on va retrouver dans toutes les cellules, préférentiellement en fait, au niveau du foie ou au niveau des muscles. Et donc en cas de besoin, l'organisme pourra piocher dans ces réserves de glycogène pour produire du glucose, pour maintenir une glycémie normale. Donc là vous êtes comme on en post-prandial, donc après manger, donc votre glycémie monte, voilà, de façon raisonnable, donc pour alimenter vos cellules en substrat énergétique. Troisième groupe de molécules que l'on verra, ce sont les lipides, bien évidemment. Et donc, vous verrez sous la terminologie lipide, en fait, il y a des molécules qui sont structurellement très différentes. On verra des choses relativement simples. On commencera par les acides gras, qui, donc voilà, un acide gras qui est présenté ici, qui rentre dans la composition des phospholipides. Phospholipides. On va retrouver préférentiellement dans les membranes plasmiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez commencé la biologie cellulaire. Ouais, un petit peu. Donc, membrane plasmique, ça vous parle. Bicouche lipidique, voilà. Et donc, les phospholipides sont des constituants essentiels de cette membrane plasmique. Et donc, on verra justement que ces phospholipides sont constitués, comme leur nom l'indique, phospholipides. En phosphate, glycérol et d'acide gras. Et donc justement, je fais un peu la transition. En fait, la biochimie, c'est une discipline qui est à la frontière avec plein d'autres disciplines. Je vais vous citer la biologie cellulaire. Parfois, les frontières sont un peu floues. Hein. Alors justement, on s'arrange entre nous, entre enseignants, pour éviter les redites. Mais un certain nombre de notions seront traitées en biocell, par exemple par Ali Benaïm, moi en biochimie, par exemple, ça, la mitochondrie, vous voyez, donc
On a des disciplines qui sont quand même relativement proches les unes des autres, avec la chimie bien évidemment, avec la physiologie, avec la biologie moléculaire. Voilà. Donc c'est une discipline, la biochimie, qui est vraiment à la frontière avec plein de disciplines différentes que vous verrez au cours de ces années. Et enfin, la dernière catégorie de molécules que vous verrez, ce sont les nucléotides, les nucléosides, qui rentrent dans la composition des acides nucléiques. Et donc ça sera traité sur le versant biologie moléculaire, donc la structuration de l'ADN, des acides nucléiques, de l'ARN, et donc la composition de ces acides nucléiques par les nucléotides. Donc ça, je ne traiterai pas du tout. Donc là, ce que je vais essayer de vous donner, c'est un rapide aperçu de ces différentes catégories, les trois premières catégories de ces molécules du vivant, donc les protéines, les glucides et les lipides. Alors, comme ce n'est pas mon cours, et puis je n'avais pas prévu de le faire, donc je vais un peu tâtonner. C'est normal. Alors, les acides aminés sont constitués, comme leur nom l'indique, d'une fonction acide carboxylique, ce sont des acides aminés, donc ils sont constitués d'une fonction acide carboxylique. Alors vous avez dû voir en chimie un certain nombre de fonctions chimiques, justement. Donc la fonction acide carboxylique, qui est capable de se protoner, de libérer un proton. Ces acides aminés sont constitués également d'une fonction amine, NH2, acide aminé. Et comme vous le voyez sur la diapositive, le carbone qui porte ces deux fonctions, aminé et acide carboxylique, c'est ce qu'on appelle le carbone alpha. Sur ce carbone alpha, on va également trouver un proton, et enfin un radical R, qui correspond en fait à la chaîne latérale. D'accord ? Donc tous les acides aminés sont composés de ces différents groupements chimiques. Il existe un certain nombre d'acides aminés, plus de 100, et en fait il y en a 20 principaux qui vont rentrer dans la composition des protéines, des peptides. Et donc ça, ces acides aminés, vous les reverrez un peu plus en détail avec Laurent Coubeau qui vous fera le cours sur acides aminés protéines. Et qu'est-ce qui va différencier ces acides aminés les uns des autres, puisqu'en fait ils ont cette structure commune en fait, c'est le radical R, c'est la chaîne latérale. Donc, on va pouvoir distinguer différents types d'acides aminés en fonction de la chaîne latérale, du groupement R. Alors, l'acide aminé le plus simple, en fait, qui a comme groupement R un proton, c'est la glycine, d'accord, anciennement appelée glycogol. On verra peut-être ça dans des vieux bouquins. Donc la glycine, c'est un acide aminé, c'est l'acide aminé le plus simple, puisque sa chaîne latérale en fait, est constituée d'un seul proton. On va avoir donc, différents types d'acides aminés que l'on va pouvoir classer justement en fonction de la composition de cette chaîne latérale, qui va présenter des propriétés physico-chimiques différentes. Par exemple, les acides aminés neutres qui vont avoir une chaîne latérale, que l'on va dire aliphatique, en fait, qui est constitué de groupements carbone, ici. Et généralement, ce sont des composés qui sont plutôt hydrophobes. Donc, plus la chaîne latérale est importante, elle peut être linéaire, elle peut être ramifiée, comme c'est indiqué ici. Et donc, plus cette chaîne latérale neutre est important, plus la molécule aura plutôt un caractère hydrophobe. On va avoir également donc, des chaînes latérales qui vont présenter un certain nombre d'autres groupements chimiques, comme des fonctions alcool. Alors, je crois que sur la diapositive suivante, groupement alcool, non, il n'y a pas. Par exemple, la tréonine ou la sérine, voilà, ce sont des acides aminés avec une fonction alcool sur la chaîne latérale. Vous avez également des acides aminés acides et des acides aminés basiques. Alors les acides aminés acides, en fait, ce sont des acides aminés, voilà, qui sont ici, il y en a deux, l'acide aspartique et l'acide glutamique, qui vont avoir donc une deuxième fonction acide carboxylique sur la chaîne latérale. D'accord ? La première est portée par le carbone alpha, la deuxième est portée par la chaîne latérale. Et bien évidemment, cette
fonction acide carboxylique va pouvoir céder un proton. Et donc, ou plus exactement l'inverse, en fonction du pH dans lequel se trouvent ces acides aminés, cette fonction acide carboxylique pourra ou pas être protonée. D'accord ? Soit sous forme CO-, ou bien sous forme COH. On a également des acides aminés basiques, hein, c'est l'inverse, et ils vont plutôt avoir tendance à accepter un proton au niveau de leur chaîne latérale. Justement, voilà, c'est ce qui est indiqué sur cette diapositive, alors qui est peut-être un petit peu complexe. En fait, on a différentes formes d'un seul et même acide aminé. Lorsque l'on fait varier le pH de la solution dans laquelle se trouve l'acide aminé, justement, on va pouvoir modifier l'état d'ionisation des fonctions acides carboxyliques, que ce soit celles qui sont portées par le carbone alpha, ou bien la chaîne latérale, et la fonction aminée. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc, on a une première forme, ici, là, une forme cationique, avec la fonction NH2 qui est ionisée, donc sous forme NH3+. D'accord ? Donc globalement, alors pardon, peut-être pour expliquer, donc là vous avez la fonction aminée de l'acide aminé, la fonction acide carboxylique, ici la chaîne latérale. D'accord ? On considère que la chaîne latérale n'est pas ionisable, il n'y a pas de fonction acide carboxylique ou aminée qui peut être ionisée. On considère que ces deux fonctions. On va dire que R, c'est un proton, c'est la glycine. D'accord ? Donc, la première forme que l'on va retrouver de cet acide aminé, c'est la forme cationique NH3+. Donc, on est à plutôt pH très acide. Lorsqu'on fait varier le pH de la solution sur des pH moins acides, qu'est-ce qui va se passer ? Et eh bien, en fait, la fonction acide carboxylique va pouvoir s'ioniser, elle aussi, d'accord ? Et donc, perdre son proton pour se retrouver sous forme CO-. Et donc, sous cette forme, ici, là, on voit que l'on a à la fois une charge positive portée par la fonction aminée, donc sous forme NH3+, et une charge négative portée par la fonction acide carboxylique, donc CO. Donc cette forme, on l'appelle la forme zwickerienne. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en fait à la fois une charge négative et une charge positive. Et globalement, la molécule, elle est comment ? Électriquement, elle est neutre. Tout à fait. Et on peut distinguer en fait une constante ici qu'on va appeler Ka1. Ka1, en fait, cette constante, c'est quoi ? C'est un rapport entre la forme chargée négative, enfin chargée négativement, la fonction acide carboxylique chargée négativement, et la forme acide carboxylique non chargée. D'accord ? Et donc, en fonction de l'acide aminé, en fonction des acides aminés, 20 principaux, cette constante K1A va être différente. Et donc ça, on pourra vous donner un tableau, hein, c'est des choses qui sont connues, avec justement la valeur de cette constante Ka1. Alors généralement, en fait, on ne vous donne pas la constante Ka1, on vous donne le pKa. Le pKa, c'est tout simplement moins log de la constante Ka1. D'accord ? Et donc, à partir de cette pKa ou cette constante Ka1, il est possible de déterminer une proportion entre la forme chargée négativement sur la fonction acide carboxylique, sur la forme non chargée négativement. Enfin, on est capable également de distinguer une troisième forme, forme anionique. En fait, c'est lorsque la fonction aminée va perdre sa charge positive, va perdre son proton, et va se retrouver sous forme NH2. Et donc, on va passer de la forme zwickerienne, hein, si on augmente encore le pH, des pH un peu plus basiques, on va se retrouver sous une forme globalement négative, donc sous une forme anionique, donc avec uniquement la fonction acide carboxylique qui est chargée. Et là encore, on pourra distinguer une deuxième constante, Ka2,
qui correspond au rapport donc, de cette forme-là, anionique, sur la forme zwitterienne. Et là encore, en fonction des acides aminés, cette valeur de pKa2 ou KA2 va être différente. Et donc si on vous donne ces valeurs de pKa1, pKa2, vous pouvez voir, on vous dit, bah, tiens, on est à tel pH, vous pouvez en déduire quelle va être la forme majoritaire, est-ce que ça va être plutôt la forme cationique, plutôt la forme anionique, ou bien la forme zwitterienne. Alors, c'est assez important de bien comprendre ce changement d'état d'ionisation des acides aminés, pour la simple et bonne raison qu'on utilise en fait cette propriété pour séparer notamment les acides aminés ou bien les protéines. Et donc, en jouant sur l'état d'ionisation de ces molécules, par exemple les protéines, et bien on va être capable de les séparer dans un champ électrique. Enfin, c'est le principe en fait de l'électrophorèse. Donc, on va placer notre protéine dans un tampon avec un certain pH, et ensuite, et bien, certaines protéines vont être plus ou moins chargées, et donc plus elles sont chargées, plus elles vont pouvoir migrer, en fonction de leur taille aussi, dans ce champ électrique. C'est important de bien comprendre ça. Alors, l'autre point important, c'est que là, je vous ai parlé d'acides aminés, mais les acides aminés, on va le voir juste après, peuvent s'assembler, peuvent créer des liaisons qu'on appelle peptidiques entre eux, pour former des protéines. Et les liaisons peptidiques, en fait, sont constituées, je crois que c'est juste après, c'est pas juste après, hop. Ces liaisons peptidiques, en fait, elles vont impliquer une fonction acide carboxylique d'un premier acide aminé avec la fonction aminée d'un deuxième acide aminé. D'accord ? Donc on va obtenir ici une liaison peptidique. Et lorsqu'on a un dipeptide, comme c'est le cas ici, qu'est-ce que l'on voit ? Et si on fait varier le pH de la solution dans laquelle se trouve ce dipeptide, et bien en fait, seule la fonction NH2 N-terminale ici va pouvoir être ionisée, ainsi que la fonction C-terminale à l'autre extrémité de la molécule sera ionisée, en partant de l'hypothèse que sur ces deux radicaux, R1 et R2, on n'est pas deux groupements chimiques ionisables. D'accord ? C'est là où ça peut être un peu plus complexe, c'est lorsque, au niveau des chaînes latérales de ces acides aminés 1 et 2, on a des acides aminés ionisables, et bien globalement, la charge globale de ce peptide peut être différente. Et donc, on peut aussi vous donner des exercices pour calculer cette charge globale du dipeptide, par exemple. C'est bon, je ne vous ai pas perdu encore ? Non ? Bon, très bien, c'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est pas de vous perdre. Surtout s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires, vous me le dites. Alors, là, c'est quelques exemples de peptides qui vont avoir des activités biologiques. Alors, soit les peptides jouent un rôle structural pour la cellule. Donc, vous avez des cours de biocell, est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Protéines importantes pour la structure de la cellule. Enfin, des protéines importantes. Ouais. Par exemple, actine, myosine. En fait, les protéines du cytosquelette, les protéines du cytosquelette qui nous permettent de structurer la forme de la cellule. Ce sont des protéines qui sont produites, qui sont synthétisées par la cellule à partir d'acides aminés. Donc, un rôle de structure pour la forme de la cellule. On a également des peptides, des protéines, qui vont avoir des activités biologiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont être, par exemple, ça va être, par exemple, des hormones peptidiques, comme c'est le cas ici. Ici, vous avez une molécule qui s'appelle l'arginine vasopressine, AVP, qui joue un rôle important dans l'homéostasie de l'eau, dans la réabsorption de l'eau au niveau du tubule rénal. Qui vont permettre, en fonction de la pression osmotique sanguine, de réabsorber l'eau au niveau du rein pour permettre de limiter justement les pertes en eau au niveau rénal.
Donc ça, c'est un exemple de peptide biologiquement actif. Alors, là aussi, vous reverrez ça un peu plus en détail avec Laurent Coulbeau, c'est les différents niveaux de structure des protéines, des peptides. En fait, on est capable de distinguer différents, quatre niveaux différents de structure des protéines. Il y a ce qu'on appelle la structure primaire. La structure primaire, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, l'enchaînement des acides aminés qui constituent un peptide d'une protéine. Et par convention, on commence toujours à gauche par le côté N-terminal, avec donc la fonction NH de libre, vers la droite avec la fonction COH. Donc c'est une convention. Et donc la structure primaire, c'est tout simplement en fait l'ordre des acides aminés qui constituent cette protéine. Deuxième niveau de structure, c'est la structure secondaire. La structure secondaire, c'est quoi? Ben, en fait, ces acides aminés vont pouvoir adopter des structures dans les sas. On distingue différents types de structures. Par exemple, les feuillets bêta plissés. Donc, les acides aminés qui constituent cette protéine vont être structurés en feuillets bêta. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais en fait, vont s'établir un certain nombre d'interactions entre les acides aminés qui constituent ce feuillet bêta qui vont permettre de stabiliser cette conformation. Et les interactions qui sont impliquées pour structurer ce feuillet bêta, ce sont des interactions plutôt faibles. Hein, ça va être par exemple des interactions ioniques. Alors, vous avez dû voir ça en chimie, probablement. Hein, des liaisons ioniques entre un acide aminé, par exemple, chargé positivement, et un acide aminé chargé négativement, au niveau de la chaîne latérale. Ça va être des liaisons hydrogènes. Ça vous parle? Ouais. Ça va être des liaisons hydrophobes. Ça va être des liaisons de Van der Waals. Et donc, ces différentes types d'interactions vont permettre de structurer, alors pas toute la protéine, mais certaines parties de la protéine, justement, par exemple en feuillet bêta. Ou bien, on va pouvoir distinguer ce qu'on appelle des hélices alpha. Donc, en fait, ce sont d'autres structures qui vont adopter donc une espèce de structure en spirale, et encore avec l'importance de certaines interactions faibles qui vont maintenir et structurer ces hélices alpha. Ces hélices alpha, par exemple, on va les retrouver dans des protéines qui sont transmembranaires. Des protéines, en fait, qui sont ancrées au niveau de la membrane plastique. Et donc, au niveau du segment qui ancre la protéine dans la membrane plastique, qui sont plutôt des acides aminés hydrophobes, on va généralement retrouver ce type de structure secondaire des hélices alpha. Et donc, au sein d'une même protéine, enfin même peptide, on peut avoir la coexistence de plusieurs structures secondaires, donc plusieurs feuillets bêta, plusieurs hélices alpha, qui vont pouvoir interagir entre eux pour donner troisième niveau de complexité, qui est la structure tertiaire. Enfin, quatrième et dernier niveau de structure, c'est ce qu'on appelle la structure quaternaire. Alors, toutes les protéines ne vont pas avoir une structure quaternaire. En fait, les protéines qui vont adopter cette structure quaternaire, elles sont constituées de plusieurs sous-unités. On appelle des protéines multinériques. D'accord ? Qui sont constituées de plusieurs sous-unités ou monomères, qui peuvent être identiques ou différentes. On peut avoir des homodimères, par exemple, donc deux mêmes sous-unités qui sont identiques, qui s'associent. Donc pour former un homodimère, pour former une structure donc, quaternaire. Ou bien ça peut être des sous-unités différentes, deux sous-unités différentes, ce qu'on appellera un hétérodimère. Ça peut être un trimère, il y a trois sous-unités, etc., etc. Donc vous reverrez justement un peu plus en détail certaines protéines, comme par exemple la myoglobine, qui est une protéine qu'on va retrouver notamment au niveau des muscles, qui joue un rôle important dans le transport d'oxygène entre les hématies et les mitochondries de la chaîne respiratoire pour justement amener l'oxygène du sang jusque dans la mitochondrie pour produire l'énergie. Comme le muscle est un organe qui consomme beaucoup d'énergie,
il faut produire beaucoup d'ATP, il y a beaucoup de mitochondries, il faut apporter beaucoup d'oxygène. Et justement, je ne développerai pas beaucoup, mais je vous parlerai de la production énergétique par la mitochondrie et de la chaîne respiratoire, et donc de la respiration cellulaire, justement avec le rôle du dioxygène dans ce processus. Vous verrez également une autre protéine qui est importante, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine qu'on va retrouver principalement dans les globules rouges, dont le rôle majeur est de transporter le dioxygène, hein, des poumons jusqu'aux différents tissus, et également capable de transporter du dioxyde de carbone, pour justement l'éliminer lors de l'expiration. Et donc, cette protéine, l'hémoglobine, hein, si vous voyez ce que je vous ai dit ici sur cette diapo, en fait, ça va être un exemple de structure quaternaire. Pourquoi structure quaternaire ? En fait, c'est une protéine qui est constituée, si c'est clair sur ce schéma, mais en fait de 4 sous-unités. D'accord ? Ces 4 sous-unités, vous avez les couleurs différentes, sous-unité en jaune, sous-unité en rouge, une en jaune pâle et une en rose. D'accord ? Donc 4 sous-unités. 2 sous-unités alpha, alpha 1, alpha 2, et 2 sous-unités de bêta, qui vont s'associer pour former une structure quaternaire. Et donc, sur ce schéma ici, je ne sais pas si vous voyez, alors ici, il y a ce qu'on appelle en fait, un noyau porphyrine, avec un atome de fer qui peut être important pour structurer, pardon, il est ici, l'atome de fer, voilà. Noyau porphyrine ici, et qui va jouer un rôle important dans l'interaction avec le dioxygène, avec le transport du dioxygène au sein de l'hémoglobine. Ça, j'en parlerai après. Alors, là aussi, je n'ai pas le temps de vous développer, mais lorsque ces protéines sont synthétisées par la cellule, donc à partir des acides aminés, à partir des ARN messagers, comme vous le verrez aussi en biologie moléculaire, la synthèse qui se fait au niveau du ribosome va donc générer une protéine en cours de synthèse qui au départ ne va pas adopter de structure ordonnée. Hein. Il n'y aura pas de structure secondaire, ni tertiaire, ni quaternaire. D'accord ? La protéine est synthétisée sous forme désordonnée. Et rapidement, grâce à l'interaction notamment avec des protéines chaperones, donc des protéines qui vont pouvoir interagir avec certaines parties de la protéine, et ben, ces protéines chaperones vont aider la protéine à se structurer, à adopter justement certaines conformations, certains domaines, certains feuillets bêta, certaines hélices alpha, pour justement structurer la protéine dans sa conformation active qu'on appelle l'état natif. D'accord ? Et dans cet état natif, on va avoir l'activité de la protéine, l'activité biologique de la protéine. Alors, vous le reverrez là aussi, je pense, avec Laurent, il est possible en fait de déstructurer les protéines par la chaleur, par exemple, hein, ou bien par certains agents chimiques. Et donc, si on déstructure cette protéine native, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre l'activité de la protéine. D'accord ? Ça aussi, c'est important de bien comprendre cette notion, et donc ces agents en fait sont notamment utilisés là encore pour la séparation des protéines. Donc il y a une technique, vous verrez, qui s'appelle le SDS-PAGE, SDS, le décile sulfate de sodium. En fait, c'est une molécule chimique, hein, qui n'est pas produite de façon homogène, hein, c'est un agent chimique, qui va venir déstructurer, désorganiser la protéine et qui va la déboupiner en fait, la protéine ne va plus être organisée en structure native et va être plutôt organisée en structure linéaire avec une perte de l'activité biologique. Les immunoglobulines, c'est un autre exemple que vous verrez aussi de protéines et de structures quaternaires. Ça, les enzymes, je vais vous en parler. Les glucides, je vais vous en parler sur l'autre diaporama. Et je vais passer donc à la deuxième classe, que sont les lipides. Alors, sous la terminologie de lipides, en fait, on a un groupe qui est très hétérogène. En fait, on a ce qu'on appelle des graisses, qui sont sous forme solide, hein,
ou bien on va avoir des suives qui sont liquides, température ambiante. On va retrouver des cires et des stéroïdes. Stéroïdes, ça va être par exemple d'hormones stéroïdiennes qui sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc, je vais vous en dire deux mots. Ces stéroïdes, en fait, sont plutôt traités en deuxième année en médecine. D'accord ? On en parle très très peu, en tous les cas, en biochimie, en passé. Alors, ces lipides, en fait, comment est-ce qu'on va classer les molécules dans cette catégorie ? En fait, tout simplement sur la base de leurs propriétés physico-chimiques. Ce sont des molécules qui vont être hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aimer l'eau. Hein. Hydrophobes, phobes qui n'aiment pas, hydro-l'eau, donc ce sont des molécules qui n'aiment pas l'eau. Pourquoi est-ce que ce sont des molécules qui n'aiment pas l'eau ? Alors, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas s'il a présenté la structure de l'eau, j'aurais peut-être dû commencer par ça. L'eau, vous connaissez ? Apprend rien. Va vous faire l'affront. De donc voilà. La molécule d'eau, H2O, un atome d'oxygène, deux protons. D'accord ? Alors en fait, la molécule d'eau, ça va être un dipôle. Tout simplement parce que l'atome d'oxygène va avoir tendance à attirer les électrons qui sont mis en commun dans la liaison covalente avec les protons. Vous voyez deux protons ici, l'atome d'oxygène, et en fait, l'électron de l'oxygène qui va être mis en commun avec ce premier proton et le deuxième avec le deuxième proton, va avoir tendance à être plutôt du côté de l'oxygène. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, si les protons vont avoir une probabilité d'être présents plutôt du côté de l'atome d'oxygène va être tout petit peu électronégatif. D'accord ? On note ceci par un delta moins delta, donc électronégatif. Et donc, si les électrons sont plutôt du côté de l'atome d'oxygène, ils sont moins présents du côté du proton, donc le proton va être plutôt électropositif, qui est noté delta plus. Donc, en fait, cette molécule d'eau, c'est un dipôle. Donc, on dit que c'est une molécule qui est polaire. Et comme vous le voyez ici, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est un petit peu comme avec les liaisons hydrostatiques. Une charge électronégative, delta moins, va avoir tendance à interagir avec une charge delta plus. C'est-à-dire que si on a une molécule d'eau ici, qui va avoir une charge delta plus par ce proton-là, elle va avoir tendance à interagir avec la charge delta moins d'une deuxième molécule d'eau avec l'oxygène ici, et ainsi de suite. Et donc en fait, on va avoir un réseau d'interactions hydrogènes, en fait, c'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Hein. D'accord ? Et donc on va avoir, avec ces molécules d'eau, un réseau de liaisons hydrogènes. D'accord ? Alors quel est le rapport avec les lipides ? Eh bien, ces molécules d'eau donc, interagissent les unes les autres par des milliers de liaisons hydrogènes pour stabiliser, justement, on a un réseau extrêmement stable d'interaction. D'accord ? Extrêmement fort. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous rajoutez une molécule qui n'interagit pas avec l'eau, une molécule apolaire, hydrophobe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va venir déstructurer ce réseau de liaisons hydrogène. Et ça, sur le plan thermodynamique, on n'aime pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les molécules qui n'interagissent pas avec l'eau, pour essayer de minimiser au minimum, enfin, au maximum plutôt, minimiser au maximum les modifications de ce réseau de liaisons hydrogène, les molécules hydrophobes vont se regrouper les unes à côté des autres pour essayer de perturber le moins possible ce réseau de liaison hydrogène. D'accord ? Pour essayer de peu modifier en fait, l'entropie du système. Et donc, c'est pour ça qu'on parle donc, de molécules hydrophobes. Hein, c'est une propriété physico-chimique des lipides. C'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, vous avez le... Alors, c'est pas du tout à l'échelle. Les molécules d'eau ici, le réseau d'interaction, ici, vous avez deux acides gras. Pas du tout
coup à l'échelle, c'est une molécule beaucoup plus grosse que les molécules d'eau. Et donc, on va avoir tendance donc, à avoir un regroupement de ces molécules hydrophobes les unes à côté des autres pour essayer de perturber le moins possible le réseau de liaison hydrogène des molécules. Et donc, c'est pour ça qu'on parle donc de molécules hydrophobes. Et ces molécules lipidiques vont avoir la particularité d'être solubles. Alors, bien évidemment, vous le savez, hein, si vous mettez de l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas. Enfin, ce n'est pas miscible. D'accord ? C'est ce principe. Par contre, si vous mélangez ces lipides avec un certain nombre de solvants organiques, qui sont apolaires, comme par exemple le chloroforme, comme par exemple l'éther, et ben, ces composés vont se solubiliser. Et donc, on dit que ce sont des molécules qui sont lipophiles, hein, qui aiment ces solvants. Donc, deux propriétés hein, majeures de ces lipides. Donc, pour parler de lipides, il faut que les molécules puissent répondre à ces deux critères. Alors, il y a toute une classification, enfin, vous verrez ça, pas trop détaillée, mais en biochimie, comme beaucoup de disciplines, en fait, on aime bien classer. Notamment pour la biochimie structurale, on aime bien classer les molécules. Et donc, il y a une classification qui va pouvoir se faire sur les lipides. Alors, classification des lipides, en fait, on distingue des lipides simples des lipides complexes. Les lipides simples, ce sont des composés qui vont comporter comme atomes, donc de carbone, hydrogène et oxygène. Et ce que je vais vous présenter, ça va être les acides gras. D'accord, comme exemple, de lipides simples, donc on va voir les acides gras. Les lipides complexes, on va retrouver en plus de ces atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, alors, atomes de phosphore et d'azote. Soufre, vous oubliez. D'accord ? Phosphore et azote. Et donc, on va retrouver par exemple ces lipides complexes dans ce qu'on appelle les phospholipides qui composent la bouche lipidique membranaire. Alors, ce que l'on va voir aussi, alors on est capable de distinguer deux catégories de lipides, des molécules qui sont complètement hydrophobes. Totalement hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas comporter de groupements chimiques polaires. Et à côté de ça, vous avez des lipides qui vont comporter une partie, une chaîne, généralement ce sont des chaînes linéaires, qui sont apolaires. Et on va avoir une tête qui va être polaire. C'est par exemple le cas des acides gras. Les acides gras acides, donc il y a une fonction acide carboxylique. Et cette fonction acide carboxylique, en fait, va permettre d'interagir avec les molécules d'eau. Donc elle va être capable d'établir des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. Donc c'est une partie polaire de l'acide gras. Et donc, les molécules qui comportent à la fois une tête polaire et une partie apolaire, mais qui sont globalement hydrophobes quand même, c'est ce qu'on appelle des molécules amphiphiles. Amphiphiles, voilà, ça veut dire à la fois une partie polaire et une partie apolaire. Ou un synonyme, c'est amphipathique. Ça veut dire la même chose. D'accord ? Amphipathique. Donc, on va à la fois avoir une partie polaire et une partie apolaire. Mais globalement, en fait, la partie apolaire l'emporte sur la partie polaire, puisque on a des composés qui sont hydrophobes. Alors, ces acides gras, on va pouvoir les trouver sous forme libre. Dans le sang, par exemple, il y en a. On a des acides gras libres qui sont transportés en fait, pas complètement libres, qui sont transportés en fait par une protéine dans le sang, une protéine majoritaire qui s'appelle l'alanine. Et ces acides gras vont pouvoir se combiner à d'autres molécules, par exemple avec du cholestérol, pour former du cholestérol estérifié. Va pouvoir se combiner avec un composé qu'on appelle la sphingosine, pour former des sphingolipides, ou se combiner avec du glycérol, composé à trois atomes de carbone, de fonction alcool, qui vont pouvoir être estérifiés par des acides gras, pour former des triacides glycérol, des triglycérides, ça vous pouvez connaître, ça vous parle, hein, les triglycérides. Triglycérides en fait, oui, ça vous parle. Bon.
Ça parle à tout le monde, ça parle pas. À qui ça parle pas, les triglycérides? D'accord. Bon, je vais vous montrer ce que c'est un triglycéride. Alors, les triglycérides, en fait, c'est une forme de mise en réserve d'acides gras dans le tissu adipeux, par exemple. Voilà. C'est pas l'hiver, mais presque. J'ai ma petite réserve de triglycérides dans mon tissu adipeux. Et donc, là encore, en cas de besoin, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir une mobilisation des triglycérides qui vont être coupés pour libérer les acides gras. Et ces acides gras vont pouvoir fournir de l'énergie. Ça va être un espèce de carburant cellulaire pour produire donc de l'énergie sous forme d'ATP par les cellules. Donc je vais vous montrer ce que c'est un triglycéride. Et on va pouvoir également distinguer les glycérophospholipides. Alors, un acide gras, c'est quoi? Acide gras, donc c'est un composé qui va présenter une fonction acide carboxylique. Hein, c'est la partie polaire, la tête polaire. Et une chaîne qu'on appelle aliphatique, non ramifiée, qui est constituée de groupements CH2, CH, des fois des doubles liaisons, et à l'extrémité de la molécule, une fonction méthyle CH2. Pour parler de lipides, hein, il faut qu'il y ait au moins 4 atomes de carbone. D'accord ? En dessous, on ne parle pas de lipides. Ce n'est pas un lipide, ce n'est pas un acide gras. D'accord ? Le composé à 3 atomes de carbone avec une fonction COH, il semble que c'est l'acide propionique, ce n'est pas un acide gras. Premier acide gras, c'est l'acide butyrique à 4 atomes de carbone. CH3, CH2, CH2, COH. Généralement, ces acides gras comportent un nombre pair d'atomes de carbone. Alors, je vais vous dire, vous allez me poser la question, mais pourquoi un nombre pair d'atomes de carbone? Ça vient en fait des réactions de synthèse. On est capable de synthétiser des acides gras, ce que vous verrez avec une collègue, donc Marie Breton. La synthèse des acides gras, en fait, se fait par ajout de 2 carbones. Donc, à chaque fois, on rajoute 2 carbones sur la chaîne, ce qui fait qu'on a principalement des acides gras non repères d'atomes de carbone. On est capable aussi de distinguer des acides gras qui vont être constitués de liaisons covalentes simples, donc c'est ce qu'on appelle les acides gras saturés, ou bien certains acides gras vont présenter des doubles liaisons. Et donc, en fonction du nombre de doubles liaisons, on va pouvoir distinguer des acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés. Et ça modifie évidemment la structure des acides gras et leur interaction. Alors, il y a toute une dénomination, mais là, je ne vais pas détailler. Donc ça, c'est un exemple d'un acide gras polyinsaturé. Vous reverrez ça en détail, cet acide gras est important. Il fait partie des acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le synthétiser sur celui-là. Il faut impérativement qu'il soit apporté par l'alimentation. Donc c'est l'acide linoléique, un acide gras 18 atomes de carbone, avec ici, vous voyez, 2 doubles liaisons. Alors j'ai dit que je vous présenterai donc un triglycéride. Triglycéride, c'est quoi? Un triglycéride, en fait, c'est une molécule qui est constituée, comme son nom l'indique, triglycéride, trois chaînes d'acides gras, ici, fatty acide en anglais, donc trois chaînes d'acides gras, qui sont reliées ici par des liaisons ester, c'est-à-dire entre la fonction acide carboxylique de l'acide gras, avec une fonction alcool de cette molécule ici, qui est composé de 3 atomes de carbone, qu'on appelle le glycérol. Donc le glycérol, donc c'est un composé de 3 atomes de carbone, 3 fonctions alcool, et ces fonctions alcool peuvent être estérifiées par des acides gras. Si on a simplement cette fonction alcool ici qui est estérifiée, on va obtenir un monoacyl glycérol, c'est-à-dire une molécule de glycérol estérifiée par un acide gras. Si on a ces deux fonctions alcool
du glycérol qui sont estérifiés, on va obtenir un diacide glycérol. Et si les trois fonctions alcool du glycérol sont estérifiées, on obtient un triacide glycérol, qu'on appelle encore tout simplement un triglycéride. D'accord ? Et le triglycéride, hein, ce que vous voyez ici, mais c'est une molécule qui est globalement apolaire. D'accord ? Il n'y a pas de fonction polaire qui lui permette d'interagir éventuellement avec une molécule. Ce n'est pas une molécule amphiphile, c'est une molécule apolaire. C'est bon ? Alors, je vais passer à la présentation que je devais vous faire. Donc, j'ai déjà pris trois quarts d'heure, c'est pas grave. Ah oui, alors c'est quand même intéressant de mettre des visages sur des noms, sur les enseignants de chimie. Alors j'ai, malheureusement, je n'avais pas toutes les photos. Donc on sera combien cette année? On sera 5. Donc vous verrez lors du premier cours, je crois qu'il est programmé mi-septembre, c'est Laurent Coubeau justement qui parle au cours sur les acides aminés. On fera également les ED. Vous verrez également Marie Villieu. Alors Marie Villieu, elle enseigne en biochimie, elle enseigne en Bruxelles, et elle est co-responsable de la PACES avec moi. Donc là aussi, vous la reverrez largement. Louis Bastien, j'ai pas de photo, donc bah, il vous fera les ED. Il y aura Véronique André aussi qui fera un ED avec moi sur l'enseignement. Et puis voilà. Alors, petite info générale, donc la biochimie c'est dans le UE1, ça vous l'avez compris. Vous avez dit, vous allez avoir des cours magistraux, des ED. Et encore j'insiste, venez au moins aux cours et aux ED, c'est important, surtout que bah, on vous prépare quand même aux ED au concours. Et vous serez évalué donc sous forme de QCM. D'accord ? QCM qui peuvent être des questions de cours, des exercices, questions mixtes. D'accord. Lors du concours, en fait, si ça ne change pas, il n'y a pas de raison que ça change cette année, c'est 2h30 pour le concours de l'UE1, donc, dans laquelle vous allez avoir des questions de chimie, géné, chimie orga, biochimie, biologie moléculaire. Et il y a aussi la carbo qui est incluse dans la chimie. La biochimie, ça sert à quoi? Ça, je vais passer, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vais terminer par la biochimie structurale, donc terminant par les glucides, et après, je vous ferai un, ce qu'on appelle une overview, vue d'ensemble, du métabolisme. C'est la partie même qui me semble la plus intéressante et importante. Donc, on a vu les différents constituants cellulaires. Alors, ces constituants cellulaires donc, vont avoir un rôle soit dans la structure de la cellule. Je vous ai parlé tout à l'heure des protéines du cytosquelette, par exemple. Mais on va également avoir des composants qui vont avoir des rôles fonctionnels, comme par exemple des protéines qui vont avoir des activités biologiques. On va donc, on a vu les acides gras. Hein. Donc, ils sont des constituants qui ont un rôle aussi de structure, qui vont rentrer dans la composition des membranes plastiques, donc qui permettent. La membrane plastique, c'est une chose importante, on a l'impression que c'est une espèce de barrière inerte, en fait, qui permet de délimiter le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Mais cette membrane plastique va avoir vraiment un rôle majeur, c'est une structure qui est dynamique. On peut voir ça comme quelque chose de figé. La membrane plastique, c'est quelque chose de dynamique qui va permettre de réguler aussi les échanges que va pouvoir avoir la cellule avec son milieu extracellulaire. On va retrouver donc les sucres, par exemple le glucose, qui va avoir notamment un rôle important dans la production énergétique. Et donc ces composés vont pouvoir aussi produire de l'énergie. Et l'énergie est importante puisque cette énergie va permettre à la cellule, qu'elle soit prokaryote ou eucaryote, c'est-à-dire des bactéries, des organiques, des cellules relativement simples, ou des cellules un peu plus complexes, comme les cellules eucaryotes, cette énergie va être importante pour permettre aux cellules de fonctionner. Et c'est ce qui est présenté ici par se conserver. C'est-à-dire,
et bah, l'énergie va être utilisée pour le bon fonctionnement de la cellule, qu'elle puisse fonctionner correctement. Et l'énergie va également être importante pour permettre de se répliquer, de se perpétuer, donc pour la cellule par exemple de se diviser et de donner deux cellules filles. Et donc justement, après avoir vu la. Enfin, je termine avec les glucides, mais après avoir vu la biochimie structurale, j'aborderai assez rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mais le métabolisme énergétique, c'est-à-dire comment est-ce que la cellule va pouvoir extraire de l'énergie à partir de certains composants organiques, comme par exemple à partir des sucres, à partir des acides aminés, à partir des acides gras. Donc ça, c'est le deuxième volet qui est extrêmement important, qui va constituer la deuxième partie des cours de biochimie. Alors, juste pour terminer sur la troisième classe donc, des molécules organiques, donc les glucides. Les glucides, hein, je vous ai parlé du glucose, qui est une molécule qui est relativement connue. Les glucides, en fait, on les appelle aussi, ils étaient appelés plutôt les hydrates de carbone. Hydrates de carbone, si on regarde leur structure, leur formule générale, c'est H2O répété à l'écran. D'accord ? Hydrate, H2O, hydrate de carbone. Dans ces glucides, qu'est-ce qu'on va retrouver comme fonction chimique ? On va retrouver une fonction qu'on appelle carbonyle. Fonction carbonyle, c'est quoi ? C'est soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. D'accord ? Sur le glucose, ici, on va retrouver cette fonction carbonique qui est une fonction aldéhyde, qui est portée par le carbone numéro 1. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un groupement aldéhyde, ou bien une fonction carbonique. C'est pareil. Donc, soit on a une fonction aldéhyde, ou bien, si cette fonction est portée par le carbone numéro 2, comme dans le cas du fructose, d'un nos acides carbone, on va avoir le fructose. Donc, dans les glucides, on va soit retrouver ce qu'on appelle, alors c'est ici, c'est pas ici, hop, c'est ici, soit on va avoir des composés qui vont avoir une fonction aldéhyde, on appellera les aldoses, d'accord, comme dans le cas du glucose, soit on va retrouver une fonction cétone sur le carbone numéro 2, et dans ce cas-là, on parlera de cétose. D'accord ? Ça, ce sont les glucides. En plus de cette fonction carbonyle, on va retrouver différentes fonctions alcool. Soit des fonctions alcool primaires, soit secondaires. Et pour parler de glucides, il faut que l'on ait des composés qui présentent au moins 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, c'est ce qu'on appelle en fait des trioses. Or triose, on en verra deux exemples lors de la glycolyse. La glycolyse, en fait, c'est une voie métabolique qui permet de dégrader le glucose pour produire l'énergie. Hein, la glycolyse. Et dans la glycolyse, on va retrouver deux trioses qui ne sont pas sous forme triose seule, mais sous forme de phosphate, le glycéral d'une 3 phosphate et le phosphodihydroxyacétone. D'accord ? Donc, à partir de 3 atomes de carbone, on peut parler de glucides. Et comme on a beaucoup de fonctions alcool ici, qu'est-ce qui va pouvoir se passer par rapport aux molécules d'eau ? Ouais, les liaisons hydrogène. Donc, si ces composés sont capables d'établir des liaisons hydrogènes avec des molécules d'eau, ce sont des composés qui vont être polaires. Hydrosolubles, donc solubles dans l'eau. Alors là encore, il y a une classification sur les glucides. En fait, voilà, on parle dose pour des molécules simples. Par exemple, le glucose, c'est un os ou un monosaccharide. Et on distingue les os des osides. Les osides, c'est quoi ? Et bien en fait, ce sont des composés qui, quand ils vont être hydrolysés, hydrolyse, vous savez ce que c'est, hydrolyse ? Hydro, l'eau, lyse, coupure. Donc, quand on va avoir une coupure par l'ajout d'une molécule d'eau sur une liaison, dans ce
ces composés, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va retrouver au minimum un os. Les osides sont des composés qui vont être constitués d'au moins un os. Ça peut être deux os liés de façon covalente l'un à l'autre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? On a des osides. Quand il y a deux os qui sont associés, on parle de diosides, dit de, ou bien de disaccharides. C'est pareil, diosides, disaccharides, c'est pareil. D'accord ? C'est deux os qui sont liés l'un à l'autre. Et donc la coupure de la liaison entre ces deux composés, on appelle une liaison lipidique, on va voir, va libérer, là, cette fois, deux os. Mais on peut avoir aussi des os qui peuvent être liés par des liaisons covalentes encore à d'autres molécules. Non pas à un os, à une rose, mais à une protéine. Dans ce cas-là, on parlera de glycoprotéines. Ces os peuvent être aussi liés, non pas à des protéines, mais à des lipides. Et dans ce cas-là, on aura des glycolipides. Glycolipides, glycoprotéines, donc ce sont des hétérosides. Alors, à quoi ça sert, ces glucides ? Rôle vraiment multiple et important. Rôle de structure, plutôt chez les végétaux, parois, la cellulose. Rôle énergétique important du glucose, et on le reverra en détail, ça vous le reverrez en détail avec notamment la glycolyse, hein, avec cette voie métabolique qui va permettre de produire de l'énergie à partir du glucose. Donc d'où le rôle important de la glycémie, hein, de maintenir la concentration à peu près constante du glucose dans le sang pour permettre d'alimenter les cellules en glucose qui va être utilisé pour produire l'énergie, hein, notamment par cette voie métabolique. Ce glucose, comme je vous l'avais indiqué, est capable d'être mis en réserve, hein, sous forme d'un polymère qu'on appelle le glycogène. On n'est pas tout le temps en train de manger, on n'est pas tout le temps en train d'apporter du glucose à nos cellules. D'accord ? Donc, entre les repas, qu'est-ce qui se passe ? Donc, pendant les repas, on va apporter un certain nombre de nutriments, notamment du glucose. Le glucose va être utilisé et une partie va être mis en réserve, sous forme de glycogène. Vous avez dit notamment au niveau du foie de l'hémoglobine, principalement. Donc, toutes les cellules en plus grande quantité dans ces tissus. Et lors de la période de la distance du repas, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, il faut qu'on maintienne la glycémie constante, notamment pour nos neurones, qui sont des cellules qui sont glucodépendantes. C'est-à-dire que la production énergétique dans les neurones repose principalement sur l'utilisation et la dégradation du glucose. S'il n'y a plus assez de glucose dans le sang, s'il y a la concentration diminue, on est en hypoglycémie. C'est pas bon ça. Et quand la concentration de glucose sérique est trop basse, eh ben, on peut perdre connaissance. D'accord ? Alors, généralement, l'hypoglycémie, heureusement, quelque chose d'extrêmement rare, sauf des cas bien particuliers, très rare, d'accord ? Parce qu'en fait, on a des mécanismes qui sont là, qui vont être mis en jeu justement pour activer la dégradation du glycogène qui était mis en réserve pour relibérer du glucose et donc le maintenir. La glycémie à peu près constante, et justement permettre d'apporter du glucose, notamment à nos neurones, et d'éviter l'hypoglycémie. Et donc la voie inverse de la dégradation du glucose, c'est la synthèse du glucose, c'est notamment la néoglucogénèse. Je reparlerai. Et la dégradation du glycogène, c'est la glycogénèse. Et bien évidemment, toutes ces voies sont régulées, vous allez voir comment. Donc, rôle énergétique important, mise en réserve, donc, sous forme de granules de glycogène, comme ce qui est présenté ici sur cette diapo. Rôle important aussi dans la reconnaissance cellulaire, la reconnaissance de cellules. Vous connaissez tous les groupes sanguins. Vous connaissez peut-être votre groupe sanguin, on va peut-être faire un typage de votre groupe sanguin. Les groupes principaux, c'est les groupes ADO. Et ces groupes ADO, en fait, comment est-ce qu'on est capable de nous dire, bah, vous êtes A plus ou A moins, etc. Ben c'est parce qu'on a fait un typage et qu'on a caractérisé la chaîne de sucre qui était présente à la surface de vos globules rouges. Et cette chaîne de sucre, cette chaîne de glycane ici, va être constituée de certains os, et en fonction de la composition de ces os, ici, hein, pas ces noms,
eh ben, on va pouvoir distinguer le groupe A, le groupe B. Quand on a ces deux chaînes qui sont présentes, eh ben, on a le groupe AB. Et quand on n'a pas une certaine partie de ces résidus, de ces zones-là, on va avoir le groupe E. D'accord ? Donc un rôle important de ces sucres pour la reconnaissance cellule. Et enfin, rôle important évidemment dans la composition des nucléotides. Composition des nucléotides, des acides nucléiques, si vous voulez. D'accord ? On va retrouver notamment un sucre qui est un pentose, donc à 5 atomes de carbone. Ça, c'est celui-là, vous allez le revoir en détail. C'est le ribose. Le ribose, donc, a cette structure cyclique ici. Donc, le ribose dans l'ARN ou bien dans l'ADN, c'est du déoxyribose. Hein, le D, désoxy-déoxy-ribose. En fait, désoxyribose, on n'a pas la fonction alcool portée par le carbone numéro 3 sur le ribose. D'accord ? Donc, rôle important dans la composition des acides nucléiques. Donc, on va retrouver ces sucres, ces pentoses, dans ces acides nucléiques. Est-ce que vous voulez faire une toute petite pause mais sans bouger? D'accord. Est-ce que vous voulez souffler 2 minutes? Oui ou non? Bon, 2 minutes top chrono. Sur les glucides, donc sur la structure de ces composés. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est capable de distinguer deux grands groupes de sucres en fonction de la présence du groupement carbonique, donc soit des aldéhydes, soit la fonction cétone, donc soit des aldoses, soit des cétoses. Alors, comme exemple d'aldose, vous avez le glucose. Le glucose, composé à 6 atomes de carbone avec une fonction aldéhyde. Le fructose, c'est un cétose qui est un composé également 6 atomes de carbone, mais qui va présenter comme fonction carbonique une fonction cétone, portée sur le carbone numéro 2. Et on est capable donc de distinguer des sucres à différents atomes de carbone. Donc je vous ai dit au minimum c'est 3 atomes de carbone, c'est par exemple des aldéhydes, hydroxyacétone, donc ces deux sont les premiers sucres, 3 atomes de carbone, mais on peut avoir 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Alors, quand on a 3 atomes de carbone, on parle de triose. Tétrose, quand on a 4, 5, pentose, hexose, quand on en a 6. D'accord ? Et donc, on verra principalement comme composé donc, les trioses, donc soit en phosphate, notamment dans la voie de la glycolyse. On verra une voie qui
s'appelle la voie des pentosolstates, qui est une voie oxydative de dégradation de glucose, donc qui va permettre de former des glucoses à 5 atomes de carbone, donc d'où le nom, hein, la voie du pentosolstate. Donc, c'est une voie qui va permettre de produire notamment donc, du ribose ou du ribulose. Et donc, c'est une voie importante pour produire donc, du ribose qui rentre dans la composition des acides nucléiques. Et les hétoses, eh ben, c'est des composés qu'on va retrouver donc, soit sous forme d'eau, soit sous forme de disaccharides, par exemple le glucose, le fructose, le galactose. Soit sous forme de disaccharides, d'homodisaccharides, ou par exemple dans le saccharose, on va à la fois avoir donc, une molécule de glucose et une molécule de fructose. D'accord. Alors, je ne vous en ai pas parlé pour les acides aminés, mais j'aurais pu vous en parler pour les acides aminés. Je vous en parle pour les sucres. Voilà. C'est le même principe. Donc, ici, dans cet exemple, vous avez le glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde, vous voyez donc, c'est un sucre. Il possède donc une fonction carbonique. On a une fonction aldéhyde ici. C'est double liaison OH. Un atome de carbone sur lequel on va retrouver donc une fonction alcool, OH, proton, et un groupement CH2OH. Donc c'est un composé à 3 atomes de carbone. Une fonction carbonyle, 2 fonctions alcool. Donc c'est bien, il répond aux critères de définition des sucres. Bien un os. Regardez ce carbone central ici. Ce carbone, en fait, est substitué à 4 groupements chimiques différents. On a bien 4 groupements chimiques différents. Puisqu'on a une fonction aldéhyde ici, on a une fonction OH, un atome d'hydrogène, et une fonction CH2OH. Donc on a bien 4 groupements chimiques différents. Et en fait, en fonction de la position de ces groupements chimiques différents dans l'espace, là, on commence à l'envers, la position de ces groupements chimiques dans l'espace va permettre de distinguer des molécules différentes. En fait, en fonction de l'an, position de ces groupements chimiques, on va être capable de distinguer des molécules qui vont être proches chimiquement, mais qui vont être structurellement différentes. Le carbone qui est central ici, carbone numéro 2, on dit que c'est un carbone asymétrique, carbone chiral. Vous l'avez peut-être vu en chimie. Je me tourne vers le tuteur. C'est vu. Yes, c'est vu. Donc, carbone chiral, carbone asymétrique. Donc, en fait, on va avoir deux molécules différentes. On est capable de tracer un axe de symétrie. En fait, ce sont des molécules qui sont en miroir l'une de l'autre. Comme exemple, pour que ça soit concret, je pose le micro. Vous regardez mes mains. Si je trace un axe ici, mes mains sont en miroir l'une de l'autre. Par contre, elles ne sont pas superposables. D'accord ? En fait, comme ces molécules sont des molécules qui sont symétriques l'une de l'autre, par rapport à un axe de symétrie, mais non superposables. Et donc, à partir du moment où on a ces critères, on dit qu'on a des stéréoisomères. Ces molécules, ces deux molécules, en fait, sont des stéréoisomères, ou bien des énantiomères, ou bien des isomères optiques. Isomères optiques, parce que la présence d'un carbone asymétrique va défier la lumière polarisée. Donc, fonction de l'isomère, soit la déviation à gauche ou à droite. Alors, d'où la lettre qui est devant le glycéraldéhyde. En fait, on va distinguer les deux énantiomères, l'énantiomère L et l'énantiomère D. Alors là encore, il y a une définition. Lorsque la fonction alcool la plus éloignée de la fonction la plus oxydée est portée à droite, on dit qu'on a affaire à l'énantiomère de la série D. C'est comme ça, vous l'admettre. S'il est à gauche,
comme ce qui est le cas ici, sur ce carbone-là, ce carbone asymétrique. En fait, c'est le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée. Or là, c'est un composé à trois carbones, ça va, c'est simple. Composé, la fonction la plus oxydée, en fait, c'est la fonction LDI par rapport à la fonction alcool. Et le carbone asymétrique, de toute façon, on n'en a qu'un seul. C'est simple. D'accord ? Donc, si la fonction alcool sur le carbone asymétrique est à droite, c'est la série D. Si la fonction alcool sur le carbone asymétrique est à gauche, c'est la série L. Ça va se compliquer quand il y a plusieurs carbones. Quand il y a quatre carbones, il peut y avoir deux carbones asymétriques. Voilà, il y a une règle. Ce qu'il faut savoir, c'est que majoritairement dans la nature, en fait, on va plutôt retrouver les sucres, les autres de la série D. D'accord. Alors, c'est comme ça. Alors, à quoi ça sert de connaître ces énantiomères de la série L ou de la série D? Alors, ça peut avoir un rôle important, notamment quand on a des osides qui vont être liés les uns les autres par des liaisons osidiques. En fait, on possède un certain nombre d'enzymes qui sont capables de couper ou pas ces liaisons osidiques, et certaines de ces enzymes vont être extrêmement spécifiques, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de distinguer les composés de la série D et de la série L. Par exemple, certaines enzymes ne vont pas pouvoir reconnaître les osides de la série L et donc incapables de couper des liaisons osidiques sur ces composés. D'où l'importance de cette notion de carbone asymétrique. Alors les sucres, certains sucres, pas tous, en solution sont capables de se présenter sous forme cyclique, ou être capables de se cycliser tout simplement. Donc là c'est une molécule de glucose, le déglucose ici. Pourquoi déglucose? Alors vous voyez, vous avez ici la fonction LDI, qui est la fonction la plus oxydée par rapport à la fonction alcool. On est capable de distinguer en fait là, sur cette molécule à 6 carbones, plusieurs carbones asymétriques. On a le carbone numéro 2, carbone asymétrique. On a ici 1, 2, 3, 4 mouvements chimiques différents. Carbone numéro 3, pareil, on a un deuxième carbone asymétrique. Carbone numéro 4, troisième carbone asymétrique. Ici, carbone numéro 5, quatrième carbone asymétrique. 4 carbones asymétriques. Pourquoi cette molécule est de la série D? En fait, je choisis le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée. La fonction la plus oxydée, c'est celle-ci. Donc le carbone asymétrique le plus éloigné du carbone numéro 1, c'est le carbone numéro 5. Vous voyez, la fonction OH, alcool, est à droite. Donc, c'est le déglucose. Donc je vous ai dit que cette molécule est capable de présenter une structure cyclique. Comment est-ce que cette molécule va se cycliser? C'est la fonction aldéhyde, portée par le carbone numéro 1, qui va venir interagir avec la fonction alcool, portée par le carbone numéro 5, qui est présenté ici. Donc en fait, c'est la fonction aldéhyde qui va réagir avec un groupement alcool, du carbone numéro 5, pour former ce qu'on appelle un hémiacétal. Un hémiacétal, c'est cette structure qui résulte de la condensation entre un aldéhyde et un alcool. Et donc, on va obtenir deux formes cycliques différentes, donc avec une structure ici à six sommets qu'on appelle une structure pyrale, pyranone, c'est pareil. Et donc, ici, on va avoir le carbone numéro 1. Ensuite, on va avoir le carbone numéro 2, qui va être ici. Carbone numéro 3. Carbone numéro 4. Zut. Carbone numéro 4. Carbone numéro 5, hein, qui vient interagir avec le carbone numéro 1, avec un atome d'oxygène en haut de ce sommet. Et le carbone numéro 6, qui est ici, ou ici. Alors, dans la structure linéaire du glucose, le carbone numéro 1, vous voyez ici, c'est pas un carbone asymétrique. On est d'accord? Par contre, une fois sous forme cyclique, ici, ce carbone est devenu asymétrique.
puisque ici vous allez avoir quatre groupements chimiques différents qui vont se lier à ce carbone. Et donc ce carbone étant devenu asymétrique, on parle de carbone anomérique. On dit que le carbone numéro 1, sous forme cyclisée, c'est un carbone anomérique. Et en fait, en fonction de la position dans l'espace de la fonction OH portée par ce carbone anomérique, carbone 1, soit au-dessus, soit en dessous, parce qu'en fait, cette structure à 6 sommets est dans le même plan. D'accord ? C'est-à-dire que c'est ce plan-là. Si la fonction alcool portée par le carbone anomérique sur le carbone 1 est au-dessus du plan, on parle d'anomère bêta, ce qui est présenté ici, ou bien si il est en dessous du plan, comme ici, on dit que c'est l'anomère alpha. Et là encore, la position de ce groupement OH au-dessus ou en dessous va avoir un rôle important, notamment dans la coupure par des enzymes de la liaison osidique. Parce que ce carbone anomérique, la fonction OH du carbone anomérique, est importante pour établir une liaison osidique avec un autre sucre. Justement, regardez, si on a deux sucres, deux monosaccharides, 1 et 2, sur un cyclique, ici avec le carbone numéro 1, carbone anomérique, donc au-dessus du plan, donc c'est l'anomère bêta, qui va établir, par exemple, une liaison avec une fonction alcool portée par le carbone numéro 4 d'un deuxième sucre. Et donc, la liaison qui en résulte, donc après départ de molécules d'eau, on va obtenir donc ce qu'on appelle donc ici une liaison osidique, une liaison glycosidique. Comme il y a un atome d'oxygène, on peut même dire que c'est une liaison O-glycosidique. Et donc cette liaison osidique, hein, vous voyez, c'est une liaison covalente qui va permettre de lier deux sucres entre eux pour former, dans notre cas ici, à partir de deux monosaccharides, on va obtenir un disaccharide. Et on est capable de revenir à la structure initiale, c'est-à-dire on est capable de revenir à deux monosaccharides lorsque la liaison osidique est coupée, hydrolysée par ajout de molécules. Or, c'est pur, hein, parce que synthèse font intervenir bien évidemment des enzymes. Donc, on peut avoir des structures relativement simples, des disaccharides, trisaccharides, des molécules beaucoup plus complexes, des polymères en fait, notamment du glucose, qui est le glycogène. En fait, le glycogène, c'est quoi ? Donc, je vous dis, c'est une forme de réserve du glucose que va produire la cellule. Donc les cellules vont mettre, quand on a suffisamment, en réserve un peu de glucose. Et donc ce glucose va servir à synthétiser ce glycogène. Et donc elle va rajouter des molécules de glucose les unes aux autres pour former des liaisons osidiques, ici des liaisons alpha 1,4 glycosidiques. Et donc on va obtenir comme ça une espèce de chaîne linéaire de molécules de glucose qui sont reliées les unes les autres par des liaisons alpha 1,4. Et tous les 10 résidus à peu près, on va voir une ramification, ce qui est présenté ici, c'est-à-dire on va avoir une chaîne qui va venir se greffer sur la structure linéaire par une autre liaison, par une liaison alpha 1,6, c'est-à-dire une liaison entre le carbone 1 ici de la l'antenne avec le carbone numéro 6 porté par cette molécule. Et donc on va avoir ainsi une molécule extrêmement ramifiée qui est le glycogène. Donc voilà, on peut avoir, par exemple, dans le glycogène, plus de 50 000 molécules de glucose qui vont être stockées. Donc, la synthèse du glycogène, c'est la glycogénogenèse. Hein, on va synthétiser, on va générer du glycogène. Glycogénogenèse, glycogène, synthèse du glycogène. Donc la mise en réserve. Et la voie inverse, donc ça fait intervenir plusieurs étapes, plusieurs enzymes. On va en détail. Et la voie inverse, c'est la dégradation du glycogène. Donc c'est lorsque la cellule a besoin de puiser dans ses réserves en glycogène.
c'est la glycogénolyse. Là encore, ça fait intervenir des enzymes. Et bien évidemment, ces voies métaboliques opposées vont être réglées. Ça, c'est pour vous effrayer. Vous voulez savoir ? Je ne connais pas tout. Loin de là. D'accord ? Mais moi, je trouve ça kiffant. Terrible. C'est le métabolisme. Alors, j'y regarde un peu plus près parce que j'ai pas pris mes lunettes pour faire jeune. Ici, glucose, c'est la glycolyse. Oui. C'est la glycolyse ici. Voilà, j'ai reconnu la glycolyse. Super. Donc ça, on le verra ensemble. Ici, vous avez le cycle de Krebs. Oh. Moi, je trouve terrible aussi le cycle de Krebs. Chacun ses goûts. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? C'est rien. C'est simplement. Qui c'est qui? Vous montrez qui là? Qui c'est? Qui est en cause? La porte? C'était qui? Comment? Rien. Donc c'était la porte. D'accord. Je prends la porte, c'est ça? Donc, vous inquiétez pas, on verra tout ça, pas tout en détail, et je vous indiquerai vraiment les points les plus importants. Allez, vous déconcentrez pas. Alors, il y a une règle aussi, ça vous verrez. Vous entendez peut-être pas, mais quand vous êtes sur l'estrade ici, il y a une espèce de brouhaha. Alors, deux possibilités. Hein. Soit je parle plus fort, je peux parler plus fort, je peux vous couvrir, soit je m'arrête. Et généralement, je m'arrête. Donc après, si on n'a pas le temps de terminer, moi ça m'est égal. Je vous débrouillerai. Et c'est ce qui se passe en cours. Donc, vous jouez le jeu, vous jouez pas le jeu, si vous faites du bruit, je m'arrête. Et bien si on termine pas, on termine pas. Et de toute façon, les questions à se poser sur le cours qui est mis sur la plateforme. Donc si j'ai le temps de tout faire, tant mieux pour vous. Si j'ai pas le temps, moi ça m'est égal. D'accord ? C'est pas moi qui serai évalué après. D'accord ? C'est plus pour vous. Donc vous vous entendez pas, mais il y a une espèce de brouhaha. Et quand il y a trop de brouhaha, je vous assure, c'est pas gérable. Donc au début, on essaye de vous couvrir, mais au bout d'un moment, quand on parle, on fait plusieurs cours dans la journée, au bout d'un moment, avec le micro, on ne peut plus. Donc, on s'arrête. Et plus on s'arrête, plus on prend du retard. Voilà. Moi, je le fais, je ne sais pas les autres collègues, mais en tous les cas, voilà comment je fonctionne. Alors, donc là, on va attaquer la deuxième grande partie, qui est le métabolisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le métabolisme? En fait, le métabolisme, ça correspond aux différentes réactions qui vont permettre la transformation de molécules organiques. Transformation, c'est un grand terme. Une transformation, ça peut être de la synthèse. D'accord ? Nos cellules vont être capables de synthétiser des molécules. Lorsque je vous ai parlé, pardon, de la synthèse de glycogène, à partir de glucose, ce sont des réactions synthèse. D'accord ? On va produire des molécules complexes. Le glycogène, une molécule complexe, à partir d'une molécule simple qui est le glucose. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en fait des réactions de l'anabolisme. L'anabolisme, ça veut dire que ce sont des réactions qui ne vont pas de la synthèse, de la biosynthèse. Et par opposition, on va avoir les voies de la dégradation, c'est-à-dire des voies métaboliques qui vont permettre de dégrader une molécule plus ou moins complexe en déchets. La glycolyse est un exemple de cette voie de dégradation qu'on appelle encore la voie du catabolisme. Catabolisme, ce sont les voies de la dégradation. Alors ça sert à quoi de dégrader des molécules organiques? Ça sert à quoi de dégrader des glucides, des lipides, des protéines, des acides aminés? Ça va servir en fait
à extraire une partie de l'énergie chimique contenue dans ces molécules. Donc, ces réactions du catabolisme vont avoir pour rôle d'extraire de l'énergie chimique qui va ensuite être stockée sous forme de molécules, vraiment un rôle majeur, qui est l'ATP. L'ATP, en fait, c'est l'espèce de monnaie que va avoir la cellule pour payer ses besoins énergétiques. Donc, elle paye en ATP. Et donc, le but, un des rôles des réactions du catabolisme, c'est justement de pouvoir produire l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors justement, on verra au cours des derniers CM comment, au cours quasiment la moitié des cours de biochimie, comment est-ce qu'on va être capable de produire de l'énergie sous forme d'ATP à partir des glucides et à partir des lipides, à partir des acides gras plus exactement, et à partir du glucose. On verra au cours de ces réactions du catabolisme, on va générer également des cofacteurs. Alors des cofacteurs, vous allez voir après ce que c'est un cofacteur, c'est un composé, soit un ion, soit une molécule organique. En l'occurrence, ici, ça va être un cofacteur, des cofacteurs qui vont être réduits, donc le NAD+, qui va être transformé en NADH+, NAD, nicotinamide, adénine, dinucléotide. Il y a d'autres cofacteurs, on verra en détail après, qui sont générés notamment par les réactions de déshydrogénation. Et ces cofacteurs vont être également impliqués dans la synthèse d'énergie. On verra notamment au travers de la chaîne respiratoire mitochondriale. Dans la mitochondrie, ces cofacteurs, quand ils vont être produits, vont pouvoir être réoxydés par la chaîne respiratoire. Et ça va permettre un transfert d'électrons sur la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP par le dernier complexe qu'on appelle l'ATP synthase. Et donc au final, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des produits pauvres en énergie, faits de déchets du métabolisme, qui vont être par exemple le dioxyde de carbone de l'eau pour les glucides, qui va être de l'ammoniac ou de l'ammoniac pour les acides aminés et les protéines, qui, comme il est toxique, sera transformé en urée, sera éliminé en urée. D'accord ? Et donc, vous voyez bien que ces deux voies sont des voies opposées. Le catabolisme, les voies du catabolisme sont opposées aux voies de l'anabolisme. Les voies du catabolisme vont permettre de produire de l'énergie chimique, et au contraire, les voies de l'anabolisme vont utiliser cette énergie pour produire des molécules complexes, comme des protéines, des lipides, des acides nucléiques, etc. D'accord ? La cellule a un certain nombre de composants, il faut renouveler ces composants, ces molécules organiques. Et donc, ça a besoin d'énergie. Quand l'ADN se réplique, il faut aussi synthétiser des nucléotides, il faut apporter de l'énergie. Et donc, justement, c'est grâce à ces différents nutriments, ces différentes voies du catabolisme, que l'énergie chimique va être extraite pour produire de l'ATP. Donc c'est bien, enfin il faut absolument comprendre comment sont articulées ces différentes voies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une voie métabolique ? Parce que je vous parle de voie métabolique, mais c'est quoi une voie métabolique ? Une voie métabolique, en fait, c'est une succession de réactions enzymatiques. D'accord ? On va avoir une succession de réactions qui vont définir donc une voie métabolique. La glycolyse est une voie métabolique. La glycolyse, c'est quoi ? C'est un ensemble de réactions. On a 10. On verra aujourd'hui, je vais vous la faire en détail, chaque étape. Cette voie de la glycolyse va permettre de transformer le glucose, qui est en fait la molécule initiale, donc là, c'est marqué produit A, donc la molécule A, quand vous l'appelez substrat aussi, vous allez comprendre pourquoi, qui va aboutir après 10 étapes. 10 simples, catalysés à chaque étape par des enzymes différentes pour aboutir au produit final de la glycolyse, qui est le pyrrolate. C'est une voie métabolique. Une voie métabolique, c'est une succession de réactions enzymatiques qui vont permettre de transformer une molécule initiale pour aboutir à une molécule finale. Et en fait, cette voie va être organisée de telle façon à permettre d'optimiser cette transformation ou ces transformations chimiques. Il faut qu'elles soient le plus rapide possible.
Hein, la cellule, s'il faut attendre qu'elle produise, qu'elle transforme la molécule A en molécule B, puis après en molécule C, puis après en molécule D, voilà, la vie serait un peu au ralenti. Donc c'est ça qu'on appelle une voie métabolique. Et vous voyez que au niveau de chacune des étapes, on a donc des enzymes. Vous devez savoir ce que c'est une enzyme. Ouais. Ça c'est une autre forme de représentation, tout simplement pour vous dire que on ne va pas s'intéresser cette année à tout le métabolisme, uniquement au métabolisme du glucose, hein, avec sa dégradation, glucolyse, sa synthèse, la glucogénèse. La synthèse du glucogène, la glycogénogénèse, et la dégradation du glucogène, la glycogénèse. On va s'intéresser également au cycle de Krebs. Cycle de Krebs qui est ici, voilà, vous allez comprendre pourquoi. L'énergie. En fait, c'est le point de convergence du catabolisme du glucose et des acides gras, qui est en relation directe avec la chaîne respiratoire. Et enfin, on verra également le métabolisme des acides gras, à la fois la synthèse et la dégradation des acides gras. Je vais vous présenter très rapidement ces voies du métabolisme. Alors, avant de voir le principe de ces transformations chimiques, notamment des enzymes, juste un petit mot de thermodynamique. Alors vous avez peut-être eu des cours de chimie, voilà, vous savez ce que c'est la thermodynamique. En fait, en biochimie, on s'intéresse aussi à la thermodynamique. Alors, en fait, on parle plutôt de bioénergétique, hein, appliquée à la biochimie, la thermodynamique appliquée à la biochimie. On parle en fait de bioénergétique. En fait, à quoi va servir la thermodynamique? C'est tout simplement quand vous avez un certain nombre de molécules A, B, C, D, hein, qui sont transformées par une enzyme, composé AB transformé par une enzyme pour donner les composés CD, réaction enfin, dans les deux sens. En fait, on se pose plusieurs questions. La première, c'est la réaction va se dérouler dans quel sens, hein, si on a ces composés qui sont présents en même temps dans la solution avec l'enzyme, l'enzyme va plutôt transformer les composés CD en A et B, ou l'inverse, ou pas, est-ce qu'il n'y aura pas de transformation? À l'équilibre, on va se retrouver dans quelle proportion de ces composés? D'accord? Donc ce sont toutes ces questions qui vont trouver leur réponse, justement, dans la bioénergie, donc la thermodynamique appliquée à la biologie. Et donc ces lois de la thermodynamique vont permettre donc de comprendre comment vont être gérés les échanges d'énergie entre les différentes réactions biochimiques. Alors, justement, cette thermodynamique va permettre donc de calculer et de déterminer les quantités d'énergie échangées lors de réactions. Alors, ce qui est intéressant, justement, en biochimie, c'est de s'intéresser aux variations d'énergie, donc différences d'énergie, donc soit l'énergie qui va être libérée, soit au contraire l'énergie qui va être consommée en réaction. La bioénergétique, la thermodynamique va également permettre de prévoir dans quel sens va se faire une réaction, hein, si elle sera spontanée ou pas, ou si on est proche de l'équilibre, et enfin de prévoir les positions d'équilibre de la réaction, c'est-à-dire la concentration des différentes molécules lors de la réaction à l'équilibre. Alors, en fait, là-dedans, cette diapo, il y a quelques termes qui sont importants. L'équation qui est présentée là, surtout pas la retenir. Ce qui est important, c'est ce terme déjà, c'est l'énergie de Gibbs. L'énergie de Gibbs, donc grand G, c'est quoi? C'est l'énergie utile qui va être présente dans une molécule organique et qui va pouvoir être extraite par les différentes réactions d'une voie métabolique. C'est-à-dire une molécule donnée, par exemple, dans le glucose, hein, on va avoir une certaine énergie Gibbs, une certaine quantité d'énergie qui va pouvoir être extraite pour être utilisée pour produire de l'ATP. D'accord? C'est ça l'énergie de Gibbs. Alors en biochimie, en fait, on ne s'intéresse pas à proprement parler de cette énergie, hein, de Gibbs, mais plutôt aux variations d'énergie. Donc on va s'intéresser surtout aux échanges, donc à la différence
variation qu'on appelle delta G. Delta G, c'est la variation d'énergie Gibbs. En fonction de cette delta G que l'on doit calculer, on peut calculer au cours d'une réaction, on va pouvoir définir trois situations. Si la delta G est nulle, c'est-à-dire s'il n'y a pas de variation d'énergie pour une réaction, c'est-à-dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'en fait, on est à l'équilibre. C'est-à-dire que la réaction est à l'équilibre. Si la delta G est négative, on dit que la réaction est exergonique. Et si la réaction est exergonique, c'est-à-dire qu'elle pourra se dérouler spontanément. D'accord ? En présence, bien évidemment, des enzymes. C'est principalement, bien principalement, vous allez voir, ce qu'on va retrouver pour les voies du catabolisme. De façon globale, hein, si je reprends l'exemple de la glycolyse, la glycolyse, le catabolisme, va avoir, si on part gauche jusqu'au pyruvate, on va avoir des réactions qui vont être globalement avec une delta G négative. Donc qui vont être spontanées. Et ce qu'il faut savoir, c'est lorsque la delta G en valeur absolue est très grande et que la delta G est négative, on amène des réactions qui sont dites irréversibles. D'accord ? On peut avoir des réactions irréversibles. Et ça, c'est important. On va notamment retrouver ces réactions irréversibles dans les points d'entrée des voies métaboliques. Pour éviter que le composé A soit utilisé par d'autres voies. Donc en fait, on a une entrée un peu irréversible d'un composé dans une voie métabolique. Le glucose, dans la glycolyse, en fait, la première étape est catalysée par le glucosinase, le mésokinase. En fait, c'est une étape irréversible. C'est-à-dire, le glucose, une fois qu'il rentre dans la glycolyse, ben, il y reste. On n'a pas l'enzyme qui est capable de retransformer le glucosinase en glucose. En fait, c'est une autre enzyme qui est capable de le faire, mais par un autre voie. Comme une entrée irréversible. Donc, les réactions irréversibles sont importantes. C'est des étapes généralement clés des voies métaboliques. Enfin, troisième cas de figure, c'est lorsque la delta G est positive. Et quand la delta G est positive, en fait, la réaction n'est pas spontanée. Si elle n'est pas spontanée, c'est pas pour autant qu'elle ne pourra pas se faire. Elle pourra se faire que si on y apporte de l'énergie. Et donc, justement, on verra qu'une des façons de permettre à des réaction biochimique avec une delta G positive de se faire, c'est d'apporter de l'énergie sous forme d'ATP, sous forme de l'hydrolyse exactement de l'ATP, qui est une réaction qui libère de l'énergie. Et donc, ces réactions avec une delta G positive sont des réactions endergoniques, et c'est principalement des réactions de l'anabolisme. On va avoir plutôt besoin d'énergie pour se produire. Hein. Finalement, c'est assez logique par rapport à ce que je vous ai présenté ici, c'est-à-dire que les réactions du catabolisme ici vont produire et libérer de l'énergie, des réactions exergoniques, et ici, les réactions de l'anabolisme vont avoir besoin d'énergie, ce sont des réactions qui sont plutôt endergoniques. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que certaines étapes de ces voies de l'anabolisme ou du catabolisme ne vont pas avoir, par exemple, une delta G proche de zéro. Ici. De façon globale. Vous voyez la petite subtilité. Je vais peut-être pas trop détailler. Alors cette équation, en fait, on la reverra un peu plus en détail. Qu'est-ce que je fais? Je vous détaille, je vous détaille pas. Ah, j'ai pas trop de temps. En fait, delta G, c'est ce qui va permettre, comme on vient de voir, de savoir si une réaction est à l'équilibre endergonique ou exergonique. Et en fait, cette delta G, on est capable de la calculer. La delta G, en fait, on est capable de la calculer. Et cette delta G va dépendre d'un autre facteur qui est, attention à ne pas confondre avec la delta G, qui est la delta G 0', la variation d'énergie libre standard à pH 7. D'accord ? C'est quelque chose en fait qui est défini dans des conditions standards justement. Le zéro en exposant
C'est condition standard. Condition standard en biochimie, ça veut dire quoi? Ça veut dire condition standard en température, en pression, en concentration, qui ne sont pas du tout des conditions physiologiques. Pas du tout des conditions physiologiques, mais c'est des conditions in vitro, au laboratoire, si vous voulez. En fait, si on se place dans des conditions standards au laboratoire, de ces réactifs, avec l'enzyme, température, etc., on va pouvoir déterminer, après avoir laissé le système à l'équilibre, on va pouvoir déterminer cette valeur de delta G sur rho. Donc, en fait, pour calculer la delta G, pour savoir si la réaction est spontanée ou pas sur les projets d'équilibre, il faut connaître la delta G en prime. Ça va dépendre également de constante, la température, constante des gaz parfaits, ici R, et surtout de la concentration initiale de ces composés s'ils interviennent au cours de cette réaction. Par exemple, A, B et C, on appelle des réactants. Concentration initiale. Là où je veux en venir, c'est que ça c'est bien beau, hein, c'est un peu de la théorie. Sauf que dans une cellule, quand on a une voie métabolique, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec une molécule A qui va être transformée lors de la première étape en une molécule B, et bien la molécule B va être transformée par une molécule C, etc. etc. Et il y a d'autres étapes en amont de la molécule A. Ce qui fait que dans la cellule, il est très difficile de connaître la concentration initiale. Puisqu'en fait, c'est des concentrations qui vont varier en fonction du temps, qui vont varier en fonction de l'apport, par exemple, en molécule même. Après un repas, ou à distance d'un repas, la concentration en glucose dans une cellule de l'organisme ne va pas du tout être la même à distance ou juste après un repas. D'accord ? Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Okay ? Donc de connaître les concentrations initiales des différents réactants d'une voie métabolique, c'est extrêmement compliqué. C'est facile in vitro, dans un tube ASL, c'est un peu plus difficile d'appréhender ces paramètres dans une cellule, parce qu'en fait, ces voies métaboliques sont des structures qui sont dynamiques. Ça bouge tout le temps. D'accord ? Et en plus de ça, en fonction du tissu hein, dans l'organisme, les cellules ne vont pas du tout avoir les mêmes besoins. Et la concentration, par exemple, en glucosylsulfate dans un hépatocyte, dans une cellule musculaire, dans un globule rouge, dans ce marron, etc., pas du tout les mêmes. D'accord ? Très compliqué. Donc c'est très compliqué, en fait, de calculer la delta G dans une cellule. Voilà où je m'en vais. Néanmoins, c'est le seul critère qui permet de savoir si une réaction est spontanée ou pas, ou on est à l'équilibre. Alors, justement, c'est là que c'est un peu compliqué, je ferai un raccourci, je vous le dis tout de suite, hein, je ferai un raccourci volontaire, donc plus ou moins faux, mais bon, je vous présenterai en fait pour certaines voies métaboliques la delta G0 prime et non pas la delta G pour vous dire, ah bah tiens, en fait, cette réaction est spontanée, etc., etc. Ce qui est en fait un abus de langage, je devrais calculer la delta G pour vous dire si c'est spontané ou pas, si c'est proche de l'équilibre. Ok ? Un petit mot de l'ATP, l'adénosine triphosphate, donc molécule incontournable. Je vous ai dit, c'est un peu c'est la monnaie que va utiliser la cellule pour ses processus pour son fonctionnement. En fait, l'énergie chimique extraite des molécules, par exemple le glucose, va être stockée sous cette forme-là, sous forme d'adénosine triphosphate. Donc l'adénosine triphosphate est constituée, donc, comme son nom l'indique, d'une base, l'adénine, d'un sucre, tiens, un sucre, un ribose, de 5 carbone, et de 3 phosphates, triphosphate. Alors ce qui est important de regarder quand même un peu plus en détail sur cette molécule d'ATP, c'est que, c'est au niveau de ces 3 phosphates, les liaisons chimiques au niveau de ces phosphates ne vont pas être identiques, ne vont pas être équivalentes. En fait, ici, on a une fonction alcool qui provient du ribose qui va se combiner avec une première molécule de phosphate inorganique, acide phosphorique. Un acide avec un alcool, ça va donner une liaison S-terre. Ici.
D'accord ? Ici, entre ce premier groupement phosphate et ce carbone du ribose, ici, on a une liaison ester. Une liaison simple. Une liaison chimique covalente, simple. D'accord ? Maintenant, entre ce premier groupement phosphate ici et ce deuxième groupement phosphate, on a une liaison un peu particulière. Vous voyez, elle n'est pas représentée par un trait. Simple. D'accord ? Elle est représentée par ce signe. Et ça correspond en fait à une liaison riche en énergie. En fait, c'est une liaison qu'on appelle phosphoamidonique. Une liaison amidonique. Entre deux acides. Deux groupements acides. Deux groupements acides. Liaison riche en énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'elle va être coupée, eh ben, elle va pouvoir libérer une quantité importante d'énergie. D'accord ? Et enfin, on a une deuxième hein, dans l'ATP. Vous voyez, vous avez vos trois groupements phosphates. Donc on a une première liaison riche en énergie entre le premier et le deuxième groupement phosphate. Entre le deuxième et le troisième groupement phosphate, on en a une deuxième ici. D'accord ? On a deux liaisons phosphoamidrides riches en énergie. C'est ce qui est représenté de toute façon ici. Entre donc le ribose et le premier groupement phosphate, une liaison ester, peu d'énergie, hein, si elle est coupée. C'est représenté ici. Donc quand on a cette molécule, l'adénosine, le ribose avec ce groupement phosphate lié, on a de l'AMP, l'adénosine mono, puisqu'un seul phosphate, AMP, adénosine monophosphate. Si cette liaison ici ester est coupée, on va avoir donc la delta G, hein, premier biais, attention, pas la delta G sur prime, on va avoir moins 13 kJ par mol de libéré, donc une certaine quantité d'énergie libérée. D'accord ? Si je compare cette énergie libérée par rapport à l'hydrolyse de cette deuxième liaison ici, hein, entre le premier phosphate et le deuxième phosphate. Donc si on a en fait cette molécule, avec les deux phosphates, on a de l'adénosine diphosphate, enfin deux phosphates. Si l'ADP, ah, il ne l'a pas noté celui-là, zut, bon, c'est pas grave. Si on a de l'ADP, non, il n'est pas noté, c'est pas grave, qui est hydrolysé en AMP, en phosphate inorganique, on aura en fait une quantité d'énergie libérée qui sera plus importante que celle-ci. On sera peut-être aux alentours de moins 25 kJ par mol. D'accord ? Une quantité plus importante. Et lorsqu'on a de l'adénosine triphosphate, donc avec ces trois phosphates, avec une coupure ici, quand l'ATP, c'est ici, quand l'ATP est hydrolysé par ajout d'une molécule d'eau sur cette liaison, donc pour donner de l'ADP, du phosphate inorganique P, tout simplement du phosphate inorganique, ainsi que le phosphate qui est libéré, on va avoir, vous voyez, quasiment trois fois plus d'énergie libérée que cette liaison ester. D'accord ? Donc, quantité d'énergie libérée, quand l'ATP sera hydrolysé, on a libéré le phosphate inorganique. Ou bien, lorsque l'ATP est hydrolysé à ce niveau-là, pour libérer de l'AMP et du pyrophosphate, qui correspond en fait à deux groupements phosphates qui est ici. D'accord ? Et là encore, beaucoup plus d'énergie libérée. D'accord ? Donc, à partir de l'ATP, donc l'hydrolyse de l'ATP en ADP ou en adénosine monophosphate, va permettre de libérer des quantités importantes d'énergie. Et c'est comme ça que la cellule fonctionne. Hein. Et donc, cette énergie qui va être libérée, donc là vous avez action chimique, peu importe, hein. En fait, cette énergie qui est libérée lors de l'hydrolyse de l'ADP, va pouvoir être utilisée par des processus qui en ont besoin. Donc, dans la cellule, pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de la cellule, il y a un certain nombre de réactions qui ont besoin d'énergie pour se faire. Là, on l'a vu, par exemple, les réactions d'anabolisme. Les réactions d'anabolisme qui ont besoin d'énergie. Et bien, cette énergie, elle provient d'où ? Elle ne provient pas comme ça, elle n'est pas créée avec ses eaux. Elle provient de l'hydrolyse de l'ATP. Et donc cette énergie sera justement utilisée pour ces réactions en diagonique, pour des réactions de synthèse. Généralement, on va retenir de façon générale les réactions de synthèse
quand la cellule va synthétiser les molécules, sont des processus qui consomment de l'énergie, qui vont consommer de l'ATP. Ou bien, il y a d'autres processus qui sont importants également, qui consomment de l'énergie, en dehors de ces réactions enzymatiques ou endothermiques. Le transport de molécules contre le gradient de concentration, je ne sais pas si vous l'avez vu en biophysique. Je ne sais pas encore. Pas encore, c'est pas grave. Les échanges d'ions à travers une membrane plasmique contre un gradient de concentration sont des processus qui nécessitent de l'énergie. Si par exemple dans le neurone, après une dépolarisation du neurone, pour permettre de rétablir des gradients de concentration corrects entre le sodium et le potassium extra-intracellulaire, en fait on a une protéine qui s'appelle la NAK-ATPase qui va permettre de faire ressortir du sodium contre le gradient de concentration, faire rentrer du potassium contre le gradient de concentration. Et ce sont des processus qui nécessitent de l'énergie, et donc qui nécessitent de l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP. Si vous courez à une contraction musculaire, et ben ce sont des processus qui consomment aussi de l'énergie. Hein, pour le raccourcissement des fibres musculaires, et ben, ces processus, donc ces énergies mécaniques, ben, nécessitent également de l'ATP. Si vous n'avez pas d'ATP, donc il n'y a pas de contraction. Alors c'était juste, là on n'a pas le temps de détailler le calcul, savoir un petit peu la quantité d'ATP qui est produite, qui est nécessaire par jour chez un homme. D'accord ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une cellule, on a très peu de réserves en ATP. La quantité d'ATP à un instant T permet, si on bloque complètement la synthèse d'énergie, l'ATP, va permettre de tenir à peu près 1 à 2 minutes. Ça fait pas beaucoup. En fait, il y a très peu de réserves en énergie. C'est-à-dire que les cellules vont devoir en continu produire de l'ATP. Puisque parallèlement, il y a des processus qui en consomment. D'accord ? Et juste, pour vous donner un ordre d'idée, on synthétise par jour l'équivalent de 80 kg d'ATP. Bon, on n'a pas 80 kg d'ATP là, mais on va produire quotidiennement 83 kg d'ATP. C'est énorme. Évidemment, c'est un cycle. Alors justement, comment est-ce que l'ATP va être synthétisé ? Par un processus qu'on appelle la respiration cellulaire. Bon, pourquoi respiration ? Est-ce que vos cellules la respirent ? Oui. Je sais pas. Pourquoi respiration ? Ouais ? Parce qu'elle absorbe de l'O2 et elle rejette du CO2 pour faire l'énergie. Voilà, il y a besoin de dioxygène pour produire de l'énergie. D'accord ? Respiration cellulaire. En fait, le dioxygène ne va pas intervenir à chacune des réactions, à chaque étape des réactions, par exemple de la glycolyse. C'est pas à cet endroit-là qu'il intervient. Le dioxygène en fait va intervenir au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est l'accepteur final des électrons. S'il n'y a pas d'oxygène, la mitochondrie ne fonctionne pas. Si votre mitochondrie ne fonctionne pas, alors la mitochondrie, vous l'avez peut-être vu, vous le verrez, en biocelle, c'est la centrale énergétique pour produire de l'ATP. C'est, en proportion, on va dire, l'organisme qui va produire à peu près 90% des molécules d'ATP. Donc si on n'a pas de dioxygène, on n'a pas de production d'ATP. Et donc les cellules fonctionnent pas. Et donc la respiration cellulaire, en fait, ce sont ces différents processus hein, qui se font en multi-étapes, plusieurs étapes, qui vont permettre, par exemple, si on parle du glucose comme source énergétique initiale, donc, qui va permettre au cours de la glycolyse de générer du pyruvate. Donc ça, c'est une première étape. Je vais perturber là. Je vous vois. Ensuite, deuxième étape, ce pyruvate, on verra, va être transformé dans les mitochondries en un composé qui va être dégradé par une deuxième étape qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va produire notamment des cofacteurs réduits, on en a vu tout à l'heure, hein, le NADHH+, nicotinamide adénine dinucléotide réduit. Et ben, ces composés réduits vont ensuite être oxydés par la chaîne respiratoire mitochondriale pour produire de l'ATP, vraiment la source majeure de production d'énergie. Et donc justement, on verra au cours de cette année donc,
la production d'ATP à partir de ces différents processus, donc à partir de glucose, et également à partir d'acides gras. Alors, évidemment, je ne vais pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je voulais vous présenter. La dernière partie sur les voies métaboliques, je ne vais pas encore pouvoir en parler. Juste un petit mot quand même sur les enzymes. Vous savez que les enzymes, ce sont des catalyseurs, des biocatalyseurs, qui vont permettre donc, de transformer un ou plusieurs substrats en un ou plusieurs produits. D'accord ? Une enzyme, c'est ça, c'est un catalyseur biologique qui permet de transformer un substrat ou deux substrats qui vont se combiner pour générer un produit ou plusieurs produits. Les enzymes, en fait, vont avoir un certain nombre de caractéristiques. Ce sont des molécules qui vont augmenter la vitesse de la réaction de façon très importante. Par contre, ces enzymes ne sont pas consommées à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir servir plusieurs fois. Elles ne sont pas altérées. Elles sont spécifiques, plus ou moins, on verra, du substrat, et des fois elles sont très très spécifiques. Il y a une stéréospécificité, justement, certaines enzymes sont capables de distinguer des carbones acidiques, des énantiomères, sont capables de transformer, par exemple, des glucoses, ce n'est pas le glucose, des enzymes très spécifiques, stéréospécifiques. Généralement, en fait, ce sont des molécules protéiques. Les enzymes, généralement, sont des protéines, donc avec les propriétés des protéines. Quoi vous dire d'autre ? Oui. Alors, les enzymes, en fait, comment est-ce qu'elles vont pouvoir accélérer la vitesse d'une réaction ? Alors, quand on a une réaction chimique, donc sans enzymes, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on parle d'une molécule A, ou X ici, qui va être transformée en produit Y. Chacun de ces composés va présenter une certaine énergie libre. D'accord ? Énergie libre. Pour pouvoir être transformé en molécule Y, la molécule X en fait va devoir passer par un état. En fait, c'est quoi une transformation chimique ? Et bien, c'est par exemple l'oxydation d'une fonction alcool pour être transformée en fonction alcoolique, par exemple. D'accord ? Ou bien un groupement chimique qui va être éliminé, une décarboxylation, donc l'élimination d'une fonction COH. C'est une réaction. Et donc, pour pouvoir passer donc, de cet état 1 à l'état 2, l'état final, eh bien, la molécule initiale va devoir passer par un état de transition. Un état de transition en fait, qui est caractérisé par une énergie libre plus importante que la molécule initiale. Et plus l'état de transition a une énergie importante, plus ça va être compliqué à la molécule de franchir cet état pour après être transformé en produit final. D'accord ? La différence d'énergie qu'il y a entre l'état initial et cet état de transition, c'est ce qu'on appelle en fait l'énergie d'activation. En fait, ça correspond plus ou moins à une barrière chimique que va devoir passer la molécule initiale pour être transformée. Plus cette barrière chimique est importante, plus ça sera difficile de la franchir. D'accord ? Ça évite tout simplement à ce qu'une molécule spontanément soit transformée en plein d'autres molécules. D'accord ? Et donc justement, les enzymes, qu'est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils interviennent ? Et bien tout simplement en réduisant cet état de transition, en diminuant en fait l'énergie d'activation. Comment ? Et bien c'est en interagissant avec le substrat, ça va permettre, en interagissant avec le substrat, de stabiliser cet état de transition qui présentera donc une énergie libre, d'activation moindre. Et donc si l'énergie d'activation est moindre, eh bien, la molécule pourra plus facilement la franchir, donc plus rapidement. Ce qui explique que les enzymes catalyseurs sont capables d'accélérer la vitesse de la réaction. Alors, juste une petite idée, par exemple, l'anhydrase carbonique, l'enzyme qui va permettre de condenser de l'eau avec du dioxyde de carbone pour former de l'acide carbonique, réciproquement, c'est une molécule qui est capable de transformer par seconde 600 000 molécules. On va avoir une vitesse extrêmement élevée. Alors, juste pour terminer, donc, les enzymes en fait, vont être constituées d'un cœur. Le cœur de l'enzyme, c'est ce qu'on appelle le site actif. Le site actif,
correspondent ou les constituent à la fois du signe de liaison du sutra ou des sutras, si on a plusieurs. Signe de liaison, il faut que le sutra vienne se fixer sur l'enzyme. Et la deuxième région importante de l'enzyme, c'est ce qu'on appelle les sites catalytiques. Les sites catalytiques, en fait, ce sont les groupements chimiques de l'enzyme qui vont favoriser la transformation chimique du substrat en produit. D'accord ? Et donc, ces deux régions de l'enzyme sont importantes pour permettre cette transformation. Alors, vous verrez aussi, il y a toute une classification des enzymes en fonction des réactions catalysées. Par exemple, les oxydoréductases, c'est une cyclase des enzymes, ce sont des enzymes qui vont permettre donc, de catalyser des réactions d'oxydoréduction. Oxydoréduction, donc soit perte d'électrons, proton, soit gain de proton électron. D'accord ? On est capable de suivre une réaction enzymatique, ce qu'on appelle la cinétique enzymatique, c'est-à-dire qu'on va suivre les fluctuations des concentrations en substrat ou en produit en fonction du temps. Et à partir de ces réactions enzymatiques, on va pouvoir calculer, déterminer les vitesses de réaction. Ça, c'est important, puisqu'en fait, tous les jours, au laboratoire de biochimie, où je travaille, on fait des dosages enzymes. On fait des dosages enzymes pour avoir une idée, par exemple, de l'activité de certains organes. Vous connaissez peut-être les transaminases. Transaminases, en fait, sont des enzymes qui sont principalement hépatiques. Quand il y a des lésions hépatiques, en fait, ces enzymes vont être libérées dans le sang. Et sur un test, on est capable de mesurer, calculer les vitesses de ces réactions enzymatiques à partir de substrats adéquats. Et donc, on est capable d'avoir une idée sur ces enzymes. Donc, en fait, on en utilise quasiment au quotidien, dans du chimie, on mesure les activités enzymatiques. Et inversement, on peut utiliser aussi des enzymes pour mesurer les concentrations de substrats. Quand on mesure sur le type de sang la glycémie, la concentration de glucose, en fait, on utilise une enzyme qui va permettre de reconnaître spécifiquement le glucose pour voir quelle est la concentration sanguine. Alors, ces enzymes, donc voilà, on peut les mesurer par exemple par spectrophotométrie. Spectrophotomètre, vous savez peut-être ce que c'est. Je n'ai pas trop le temps là de vous détailler, mais c'est une façon de mesurer l'activité des enzymes. On est capable de différencier différents types d'enzymes, ça on reverra en détail, peu importe. Voilà, juste pour terminer, en fait, certains enzymes, alors on dit un ou une enzyme, peu importe, certaines enzymes peuvent nécessiter des cofacteurs. Certaines enzymes, en fait, ont besoin de cofacteurs. Alors, c'est quoi un cofacteur ? C'est pas un composé qui va permettre d'augmenter la vitesse un peu plus de l'enzyme. Un cofacteur, quand tu en as besoin, il est indispensable à la réaction. En fait, il va pouvoir participer plus ou moins directement à la réaction. Alors, en fait, un cofacteur, c'est le terme général, on est capable de distinguer des cofacteurs de nature organique, qu'on appelle en fait plus exactement des coenzymes, et des ions métalliques. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du NAD, du NADHH+. En fait, le NAD, on peut considérer que c'est un coenzyme de réaction d'oxydoréduction. D'accord ? Et donc, s'il n'est pas présent, la réaction ne peut pas se faire. Donc, on verra, voilà, un certain nombre de ces coenzymes. Et ces coenzymes, pour certains, en fait, dérivent de vitamines. Donc, par exemple, la vitamine B1, qui est la thiamine, joue un rôle important et indispensable dans certaines réactions chimiques, notamment les décarboxylations. Certaines décarboxylases sont capables d'enlever un groupement COH, certaines molécules, et là, nécessitent comme cofacteur, comme coenzyme, un dérivé de la vitamine B1. Si on a une carence en vitamine B1, la thiamine, et bien la réaction va pouvoir moins bien se faire. D'accord ? D'où l'apparition de ces cliniques, etc. etc. Écoutez, on va terminer, parce qu'il est l'heure. Donc, je n'ai pas eu le temps de tout terminer. Alors, juste pour vous dire, de toute façon, ça sera sur le site. Voilà, vous aurez l'occasion de voir ça. Ces enzymes sont régulées, bien évidemment. Le rôle de l'acétylcoenzyme A dans le métabolisme intermédiaire, en fait, c'est un point de convergence du catabolisme des sucres et des lipides.
Je vous ai indiqué la voie de la glycolyse en image, donc une adresse HTTP pour avoir la glycolyse en image. Ces différentes voies de dégradation et de synthèse sur glycogène et glucose, comment est-ce qu'elles sont régulées. Et enfin, le métabolisme des acides gras avec ce qu'on appelle la bêta-oxydation, le cycle de Krebs et la mitochondrie. Juste pour terminer, parce que en fait, on vit grâce à ça. On a fait un bouquin il y a quelques années, je plaisante, on a fait un bouquin il y a quelques années, il ne reste que Laurent Coudeau, les autres sont partis, qui s'appelle donc Biochimie Courte UCM. Vous trouverez rapidement d'occasion. Donc on l'utilise notamment pour nos cours, voilà, c'est une petite synthèse de nos cours. Il y a des questions aussi de QCM et il y a les cours. Je crois que le 9 doit coûter 20 euros, vous pouvez peut-être le trouver à moitié prix local. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la biochimie et donc bon courage pour cette semaine. Mardi prochain pour la grande messe, grande réunion. Voilà, allez, au revoir.